Interface, nouveau numéro de votre émission. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous suivez de partout. Si à l'époque de Joseph Kabila, le professeur Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice, parlait des 15 millions de dollars qui étaient détournés chaque année, qu'un État congolais n'arrivait pas à encaisser dans sa caisse. Avec Félix Tshisekedi, nous sommes restés dans les staticons. Les mêmes habitudes ou comportements à continuer. Aujourd'hui, on parle des détournements concernant ces dossiers. Les forages, plus de 70 millions qui ont été décaissés par l'État congolais pour la construction des plus de 300 forages. La clarté pose problème dans ces dossiers. Pourquoi pas parler de ces détournements qu'on parle au niveau de l'IGF, aussi dans la société et Transco. Chaque jour qui passe, ces dossiers des détournements ne cessent de faire rager la toile. Quelle analyse faire de ces comportements qui certainement ne permet pas à notre pays de se développer? Messieurs et dames, dans ce nouveau numéro d'interface, on va y revenir, mais aussi on va revenir sur ces sujets qui fait couler beaucoup donc et des salives. Le cardinal Ambongo qui voyageait pour Rome où il était attendu par le pape François, le chef de l'église catholique en République démocratique du Congo, a été chassé du salon VIP. Beaucoup parlent d'un règlement des comptes de la part des pouvoirs en place au vu, au regard des opinions prononcées ces derniers temps par les chefs de l'église catholique en République démocratique du Congo. Ces comportements n'est-elle pas un élément aujourd'hui qui renforce des frustrations au sein de la classe politique congolaise? Comment faire pour recréer cette cohésion? Est-ce que doit-on à continuer sur les règlements des comptes? Les pays gagnent quoi en retour? Des questions qui méritent d'être posées. Sarah, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel Roland Live. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de cette émission Interface. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous monsieur Alain Zika Atedi. Il est l'un des communicateurs du parti La Mouka, l'un des porte-parole de Martin Fayoulou. Bonsoir, monsieur Alain, bienvenue. Bonsoir, cher Daniel. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir également à tous nos téléspectateurs et surtout ceux qui subissent des atrocités de manière injuste à l'est de notre pays. Là, nous pensons à nos amis de Goma qui sont en train de subir la fuite incontrôlée. Ce n'est pas un égire, comme disait Mahomet à l'époque, mais vous savez que le pays, les amis de Goma vivent avec l'absence non justifiée de M. Tshilombo que nous sommes en train de nous poser comme question. Et bonsoir également à notre diaspora de la République démocratique du Congo qui continue à soutenir notre combat, et nous savons que dans un futur proche, nous allons faire en sorte que M. Tshilombo soit mis de côté et que le commandant du peuple qui vous salue de passage, Martin Falmadi, récupère le fauteuil et faire en sorte que ce pays sorte du bourbier dont bon nombre l'ont plongé. Alors, Martin Falmadi, comment il se porte? Martin Fallou Madidi a un moral toujours au zénith. Martin Fallou Madidi est dans une phase d'enquistation politique parce que là, il a fait un repli stratégique pour pouvoir peaufiner des stratégies pouvant faire en sorte que le Congo soit réellement le Congo meilleur, comme le disait Lumumba. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout ce que vous êtes en train de voir là, nous sommes dans une théorie qu'on appelle la théorie des chasses. Vous savez, dans la théorie des chasses, lorsqu'un chasseur arrive quelque part et qu'il trouve le boa et l'antilope en train de se bagarrer, un vrai chasseur fait quoi? Il se camoufle. Parce que s'il tire, il risque de tirer sur l'un et perdre l'autre. C'est ce que donc, Martin Fallou fait. Après. Exactement. Martin Fallou comprend que le duel qui s'est passé entre M. Tshilombo, M. Kabila, suivi de M. Kagame, on savait que ça, c'est un deal qui va mener le pays dans un chaos. Et parmi eux, il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Nous allons nous apprendre à celui qui sera gagnant par rapport à l'autre. C'est celui-là que nous allons battre et faire disparaître tout le monde pour que le Congo récupère également son rayonnement. Bon, vous parlez d'un retrait, un repli, voulais-je dire, stratégique. Est-ce que ne serait-ce pas
à une façon pour Martin Fayulu de se dire, comme il n'a pas, ce n'est plus le même Fayulu, les Fayulu populaires, depuis et surtout la réélection de Félix Tshisekedi, parce qu'il manque cette force, il n'a plus la confiance vis-à-vis des peuples congolais, c'est pourquoi il garde ce silence silencieux, ou bien parce que c'est quand même un moment crucial que certains Congolais voulaient savoir avoir Martin Fayulu en tout moment, commencer à parler, de commenter les actualités de l'air, mais est-ce que garder silence, les faire un pays comme Joseph Kabila, c'est bénéfique pour les pays? Martin Fayulu, c'est lui qui est aujourd'hui appelé comme le symbole de l'arbre éthique. Martin Fayulu que vous voyez, il sait, parce qu'il était aux côtés de M. Étienne Tshisekedi Mulumba, qui ne cessait de nous dire qu'en politique, toutes les cartes ne se jouent pas au même moment. Vous pouvez avoir votre Treffler, vous avez votre Thomas, vous avez votre Caro, mais vous savez quand est-ce qu'il faut sortir peut-être deux pour mettre fin. Je peux avoir mon Jonker, je sais comment, quand est-ce qu'il peut le présenter. Donc c'est ça avec Martin Fayulu. Ne pensez pas qu'il est impopulaire, comme vous le pensez là. Ça s'appelle l'illusion tragique de la popularité que les autres ont. C'est-à-dire que il y a de ceux-là qui pensent, jusqu'à preuve du contraire, que Fayulu, c'est fini, il est déjà plongé dans un gouffre de déclin, donc il ne peut plus. Non, il a fait ce que l'aigle fait. À un moment donné, lorsque l'aigle donne beaucoup d'énergie, lorsqu'il se rend compte que ses plumes ont vieilli, il se camoufle quelque part pour reconstituer sa force pour et continuer encore la lutte. C'est comme ça avec Martin Fayulu m'a dit. Ne pensez pas qu'il est impopulaire. Il sait quand est-ce qu'il va rebondir avec telle action. Là, nous sommes encore, nous, ses lieutenants, sur le terrain, continuer toujours à maintenir la flamme. Et lui-même sait quand est-ce qu'il viendra pour pouvoir pulvériser ce que nous voyons là comme le régime de la prédation et tout ce que vous voyez comme des chocolères au sommet de l'État. Donc, ayez votre mal à la patience. Vous le verrez au moment opportun, c'est manifesté parce que vous le savez. Nous sommes allés en conseil national, comme le recommande notre parti. Nous sommes allés pour pouvoir réfléchir. Nous sommes allés pour pouvoir nous canarder certaines questions ou la remise en question de notre lutte politique. Qu'est-ce que nous avions fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait et on ne l'a pas fait? Pourquoi? Qui était à la base de notre faiblesse? Et comment faire pour éradiquer et remédier à ce système? Donc, nous étions de manière managériale autour de certaines questions éminemment politiques pour pouvoir mettre fin à certaines choses. Donc, et votre mal, parce que comme je l'ai dit tantôt, vous allez dans un futur proche, cher ami Daniel, voir comment les CD et la Moka vont récupérer l'affaire pour que nous puissions arriver à ce que Sonko et les autres ont fait au Sénégal. Alors, on constate de plus en plus que le pays est dans un chaos. Vous venez de ressortir plusieurs détails concernant votre président Martin Fayulu. Et à ce niveau, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut parler du camouflage ou ne s'agit-il pas du désespoir ou de la fatigue de M. Martin Fayulu? Madame, je vous ai parlé de notre maître, notre modèle, Étienne Tshisekedi Mulumba. Nous étions déjà en 2011. Lorsque Kabila a fait ce qu'il a fait, Papa Étienne a remporté haut les mains les élections. Mais Kabila a fait en sorte que le pouvoir, l'article 5 de la Constitution, soit foulé aux pieds. Qu'est-ce que Papa Étienne a fait? Il n'a pas voulu brûler le pays. Il s'est replué pour aller se rendre compte de certaines affaires au niveau de la Belgique. C'est de là qu'est sorti le rassemblement. Donc c'est ça, madame. Ce n'est pas un désespoir. Moins encore de la fatigue. Mais je vous ai parlé de l'enquistation politique. C'est ce que fait des fois la MIB. C'est ce que fait l'aigle. C'est ce que nous voulons aussi faire pour que lorsque nous reviendrons là, parce que nous savons déjà, avec tout ce qui se passe, regardez, madame, jusqu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés. Jusqu'aujourd'hui, on nous informe qu'il y a des listings des mois d'avril qui commencent à sortir. Mais les paiements ou les salaires du mois de mars n'ont pas encore été touchés.
Rendez-vous compte. Il n'y a pas que ça. La situation économique, ici j'ai entendu votre thématique, vous avez soulevé encore un autre problème de détournement. Donc tout ça, le peuple congolais est fatigué. Et il y aura un petit temps où vous verrez un élément déclencheur qui sortira peut-être, je ne sais d'où, qui fera en sorte que ce régime des incompétents, de chefs couleurs et de prédation tombe caduque. Donc, ne vous adressez pas pour pouvoir dire que, écoutez, Martin Fayoul est fatigué. Non, je vous dis, là, nous sommes en train d'analyser, d'étudier et de chercher déjà comment affronter la réalité dans un futur proche. Et jusqu'à quand il sortira de ce, camouflage? Ne serait-il pas en train d'attendre aussi la sortie officielle du gouvernement? Non, je ne veux pas que vous puissiez me mettre dans la bouche des propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai pas dit que Martin Fayoul s'est camouflé. Non. Mais il s'est enquisté politiquement. Et il est silencieux. Donc, on ne le sent pas. Il n'est pas. Vous avez senti sa réaction lorsqu'il a tweeté pour l'aventure qui s'est passée à l'aéroport. Comment les gens ont réagi? Il a une guerre, mais une guerre communicationnelle jusqu'à preuve du contraire. Et nous savons, c'est comme en armée, madame. Vous avez la force aérienne, lacustre, terrestre, navale. Donc là, nous avons en politique une guerre jusqu'à preuve du contraire communicationnelle. Même lui communique. Vous avez suivi son tweet. Et là, maintenant nous allons chercher comment faire les ratissages avec la force terrestre. Là, maintenant, vous verrez des actions qui feront en sorte que M. Tshilombo soit mis à genoux. Parce que là, on en a marre avec tout ce que nous constatons comme détournement, comme mégestion au sommet de l'État. Donc, dans un futur proche, je vous dis, le futur proche, toi, tu as étudié, je crois, la ligne du temps. Vous savez comment est-ce qu'on intervient dans un futur proche? Ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Ça peut même être aujourd'hui, mais peut-être le soir. C'est là où je vous dis, attendez, ce n'est pas encore loin pour qu'ils rebondissent avec les ratissages et qu'on mette fin dans ce cycle infernal. Alors, puisque vous parlez de cette aventure, d'ailleurs, au rythme de cette émission, j'avais énuméré ça, les représentants de l'Église catholique en RDC, les cardinal Ambongo, alors qu'il prenait la direction de Rome, où il était attendu par les cardinals, voire les cardinals Ambongo, plutôt les papes, voire les cardinals Ambongo, d'être débarqué bien chassé du salon VIP, alors qu'il a quand même un passeport diplomatique, c'est lui qui représente les papes ici, l'Église catholique étant un sujet international. Vous, ça vous a fait comment? Mon frère Daniel, permettez-moi de vous avouer aujourd'hui que ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Quel genre de signes? Je vous dis, ce sont des histoires qu'on a constatées. Rendez-vous compte, rappelez-vous de l'histoire. Lorsque M. Kabila a commencé à désacraliser, à vandaliser l'Église catholique, c'est là où ça a commencé sa chute. C'est là où il a invité lui-même son déclin. C'était ça. Nulle part, suivez l'histoire du monde, même l'histoire de l'Église et la politique congolaise. À chaque fois que les dignitaires congolais, ou Zaïrois à l'époque, ont tenté d'entrer en porte-à-faux avec l'Église catholique, c'est là où l'affaire a commencé. Mobutu, que vous voyez, a tenté une telle aventure en faisant des cardinal Malula son antisémite. Mais je vous dis, ça décapoté à mal et il s'est ressaisi après jusqu'à construire, pour apaiser la tension, ce qu'on a appelé le centre Lindongé, que vous voyez. C'était en reconnaissance, en humiliation avec ce qu'il a fait, en humilité, pardon, ce qu'il a fait avec le cardinal Malula. Donc je vais vous dire ceci. Ce que M. Tshilombo vient de faire avec son régime, ça a déjà imprimé la marque de son déclin. Ça décore la chute. C'est déjà une chute. Vous savez, même en foot, lorsque vous n'êtes pas en mesure de pouvoir contre-attaquer votre adversaire, c'est la colère, c'est peut-être la bagarre qui intervient.
Ça, c'est la faiblesse d'un régime. Vous l'avez si bien dit ici. Est-ce que vous savez que, je ne sais pas si nos amis lisent quand même. Si vous lisez la loi régissant les protocoles d'État dans notre pays, les évêques, je parle des évêques de l'Église catholique, ont rang de ministres. Donc, tel que vous voyez nos évêques là, qui ne sont pas des cardinaux, des évêques, ont rang de ministres. Ils ont droit au salon d'honneur. Maintenant, à combien en fonctionnerie, maintenant, le cardinal, je parle des cardinals d'abord, le nôtre, le cardinal Ambongo, il est non seulement évêque ou archevêque métropolitain, il est cardinal, mais conseiller du pape. Donc, il détient non, le passeport diplomatique dont nous faisons allusion là. Lisez bien la convention de Vienne. Vous allez vous rendre, vous savez, nous avons péché. Et ce que nous avons fait, posé comme acte, ça, je vous dis, c'est très grave et en convention de Vienne. Ça peut mon avoir, frère, ça peut provoquer, ça peut avoir des répercussions. Mais je vous dis, il y a des répercussions néfastes si nous ne faisons pas attention. Est-ce que nous ça avons peut même, violé, ça nous peut avons même violé, reverser les relations diplomatiques. Mais je vous dis, on a touché une personnalité, une haute personnalité du Vatican. Tel que vous le voyez là, ce n'est plus comme tout commun des mortels. Indirectement, on a touché les. On a dit. Mais je vous dis, c'est Vatican qui est touché. C'est Vatican qui est touché. Maintenant, rendez-vous compte qu'un pays touche au Vatican. Quelles sont les retombées? Surtout négatives. C'est les dangers que nous ne voyons pas. On ne fait pas allusion à ça. Je vous dis, ça fait mal. Tel qu'il est là, il a un passeport diplomatique délivré par les Saint-Sièges. Tout ce n'est pas tout comme des mortels. Mais comment on peut arriver jusqu'à minimiser une telle personne? Et vous savez ce qui nous a encore indignés? Mon frère, Monsieur Chilombo, s'il a parvenu à voler la victoire du peuple en 2018. C'est déjà les passés, c'est si. Non mais papa, vous savez, au Congo, il y a deux catégories de gens qui ne nous ont pas aidés. Il y a les historiens et les philosophes. Je vous dis, aujourd'hui on parle du passé, mais je vous dis, c'est toi, pourquoi tu es allé étudier les cours du soir? Pour apprendre. Ah, pour apprendre quoi? C'est le passé. Et lorsqu'on sait d'où on vient, on ne saura d'où on va. C'est là où nous sommes. Mais c'est Chilombo. Nous étions ici après la mort de Papa Étienne Tshisekedi dans Moulumba. L'opposition, avec tout ce que M. Kabila avait mis en place, il a fragilisé l'opposition. Ça, on doit être franc. Et c'est l'Église catholique qui est venue aux rescousses. D'ailleurs, celui qui est en prison, qui est le président de l'IDPS de l'époque, je ne sais pas, Kabound. Kabound a dit quoi? On mettait 50-50. Donc, il reconnaît au moins les 50% de l'Église catholique pour qu'on renverse M. Kabila. Mais aujourd'hui, comment tu veux servir sur un plateau de celui qui t'a aidé à voler la victoire du peuple? C'est de l'ingratitude. Une ingratitude aiguë. Cher ami, mais là, aujourd'hui, là, rendez-vous compte. C'est lui qui a supporté l'insupportable. C'est l'évêque catholique. Lorsqu'ils ont dit, non, mais écoutez, faisons avec. Ils ont accepté les résultats tels que publiés par Nanga, qui ne reflétait même pas la réalité. Mais ils ont accepté. Alors aujourd'hui, cher ami, vous venez cracher sur de telles personnes, ceux qui ont donné leurs églises. Moi, je vous dis, ce n'est pas un montage. Rossi que vous voyez là, que vous entendez là, c'est mon petit. Des mêmes quartiers. Si on le dépistait aujourd'hui, il m'appellera grand frère. J'ai vu comment Russie était visitée par l'irréparable.
La balle que vous entendez là, nous, nous étions dans une même église que lui, Saint-Benoît. Nous avons vu comment les églises, comment on nous gazait, comment on a sacralisé les églises. Mon frère, ces gens qui ont posé des actes salutaires pour qu'aujourd'hui, vous arrivez quand même à être appelé, même par des faits, même pas par des droits, vous arrivez à être appelé président. Si aujourd'hui quand même vous arrivez à fuir le pays, parce que vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous-même. Si aujourd'hui vous arrivez peut-être à disparaître dans la nature, mais c'est grâce à ces gens-là. Mais je vous relance. Comment ça, vous pouvez vraiment les servir sur les plateaux d'eau? C'est là où nous vous disons, mon frère, c'est une malédiction et ça, c'est, ça s'annonce déjà un déclin de ces régimes de prédation. Déclin de ces régimes de prédation, oh, peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui les fêtes pour ces régimes. Ça peut arriver que les présidents n'étaient pas au courant des sites actes imposés au niveau de l'international aéroport d'Angélie. Mais ça donne l'impression comme si les cardinaux lui-même, ou bien l'église catholique, est aussi trop dire envers l'actuel régime, le régime Tshisekedi. Cher ami Daniel, je puis vous rassurer aujourd'hui que l'église catholique actuelle est modérée par rapport au régime passé. Quels sont les propos que Ambongo a tenus aujourd'hui? À l'époque. Que Mosengo à l'époque. Des médiocres. Ah, tu as parlé de ça. Mosengo a traité le régime Kabylie des médiocres. Que Ambongo n'a jamais tenu. Mosengo n'a jamais reconnu les résultats des élections telles que publiées en 2006. 2011-2018, même celui qui était son prédécesseur, le cardinal Etchaou, n'a jamais reconnu ça. Mais Ambongo est venu, il a accepté l'inacceptable, mon frère. C'est l'église catholique la plus modérée de notre histoire. Mais c'est Tshilombo, on ne le traite pas de la manière dont on a traité Kabila. Jamais. Mais si tu le mot, on ne le traite pas de la manière dont Maloula a traité Mobutu. Jamais. Mais comment vous venez avec ceux qui vous cajolent? C'est là qui vous dorlote un peu. C'est là qui vous chicote à vous orienter un peu des histoires. Comment vous pouvez arriver à tenir jusqu'à ce niveau? Je vous dis que c'était une complicité. Parce que les gens qui ont posé cet acte sont encore libres. Ils n'ont pas été interpellés. Si réellement c'était un dérapage qu'on ne peut pas considérer comme déni, pourquoi jusqu'à preuve du contraire ces gens ne sont pas inquiétés? Personne ne les a inquiétés. Ils sont un homme libre. Et ils se réjouissent. Il y a des celles qui continuent à injurier. Vous savez combien la force du progrès et je ne sais quelle structure de DRPS. Statutaire ou non statutaire, injurie Ambongo. Il y a eu des gens, toi tu as vécu ça. Nous avons vu les amis de notre de force du progrès aller violer même la résidence de Cardinal Ambongo. Mon frère, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons vraiment nous dire que nous sommes dans un état de droit? Les gens qui ne savent même pas, qui ne lisent même pas les textes, qu'il y a certains endroits qui peuvent appliquer le procédé d'inviolabilité. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec ce régime de la voyoucratie. Nous ne pouvons pas accepter. C'est ainsi que nous vous disons, chers amis, nous avons compris. Ce sont des signes qui ne trompent pas. On peut tout dire aujourd'hui, monsieur Tshilombo nous a démontré qu'au sommet de l'État, on n'a pas un vrai leader. Au sommet de l'État, on n'a pas une vision éclairée. Au sommet de l'État, nous avons un système de détournement, un système de réjouissance. C'est là où nous vous disons que la politique d'opulence, on doit le mettre de côté pour que nous puissions chercher comment faire sortir notre pays du bourbier dans lequel bon nombre de nos projets, entre autres, M. Tshilombo.
Alors, puisque nous sommes en train de parler du cardinal Ambongo, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de mélanger la religion ainsi que la politique? Parce que on le constate même lors des différents homilies, on constate que il a comme l'impression de beaucoup attaquer le pouvoir. Est-ce que les fidèles viennent à l'église pour être prêchés ou soit pour écouter les bruits concernant la politique? Madame, c'est moi et toi qui sommes des fidèles. C'est moi et toi qui subissons les injustices sociales. C'est moi et toi que vous voyez là, qui sommes des victimes. Nous qui sommes des fidèles. C'est nous qui partons à l'église. Mais lorsqu'un prélat, d'ailleurs je vous informe, lisons bien les textes canoniques de l'église catholique, vous allez vous rendre compte que c'est dans sa mission prophétique d'avoir l'habitude de sonner jusqu'à l'église pour connaître les sonnettes d'alarme. C'est dans sa mission d'éveiller la conscience. Mais vous savez, même à l'époque, lisez bien ce que mon cardinal Manou la faisait. Lorsqu'on nous parle de la conscience africaine, c'était avec le cardinal Manou là. Mais qui a réveillé la conscience des gens pour qu'on arrive à dire, non, écoutez, on en a marre avec l'homme blanc. C'était le prélat catholique. Donc, le cardinal Ambongo n'a fait que son travail prophétique, je précise. Et il n'est pas allé au-delà. On a l'impression qu'il se plonge beaucoup plus dans la politique, madame, plutôt que dans la religion. Je vous dis, les gens ne savent pas comment fonctionne l'église catholique. Ils ont tout un département chargé de l'affaire politique. Ils doivent continuer à vous dire ce que vous faites. Je vous ai rappelé ici. Ils ont mis leurs églises en jeu. Nous avons fait des marches avec les abbés à l'époque de Kabila. Est-ce qu'ici, ils l'ont fait? C'est chaque jeudi, je crois à 21h, où ils ont instruit dans toutes les églises catholiques de la RDC de sonner et permettre encore à la population de commencer à retentir avec des sifflets autres. C'est l'église catholique qui a fait ça. Qui ne voulait pas que Kabila ait le troisième mandat. Ça, c'est l'église catholique. Mais à l'époque, l'église était bonne. Aujourd'hui, lorsqu'on vient vous dire, non, écoutez, ce n'est pas ce qu'on a pensé de vous. C'est vous qui êtes venu avec l'État-providence. C'est vous qui êtes venu avec la démocratie, l'État des droits. C'est vous qui êtes venu avec la bonne gouvernance. Ce que vous faites, c'est en désaccord avec ce que vous avez promis au peuple. Madame, à quoi est-ce que l'église catholique est mauvaise? C'est ça. Je vous dis, c'est dans leur mission prophétique. Et rassurez-vous, madame, que le cardinal Ambongo est modéré par rapport aux autres cardinaux qui étaient des radicaux face aux différents régimes passés. Donc, là, nous sommes dans une situation où on a touché à Dieu. Vous savez même que nos pasteurs, ce sont des hommes Dieu. Ce sont eux qui représentent Dieu sur terre. Vous savez, aux États-Unis, j'ai assisté à des conférences, des colloques internationaux. Madame, un pasteur simple, un pasteur américain, lorsqu'il quitte l'Amérique, il est sous surveillance de son ambassade dans le pays d'accueil. Donc, ils n'ont même pas droit, ils n'ont pas accès à marcher sur les hommes de Dieu. Et c'est un constat que nous faisons, surtout dans les pays anglo-saxons. Ils savent comment respecter l'homme de Dieu. Et quel homme de Dieu? Un évêque, un cardinal, des sur quoi? Vous arrivez à l'humilier jusqu'à ce niveau. Donc, s'il y a une précision aussi à faire, donner l'accès à un cardinal ou à un évêque au salon d'honneur n'est pas une faveur, c'est un droit reconnu dans les textes et dans la Convention de Vienne, moins encore dans les textes régissant les protocoles d'État. Donc, ce que la RDC a fait aujourd'hui, a violé ses propres textes et les textes
et internationaux. C'est très grave et c'est gravissime. Ça peut avoir des sanctions négatives, je vous dis. Donc là, nous pouvons rigoler, nous pouvons acclamer, mais je vous dis, madame, les conséquences peuvent être peut-être lointaines. Et tout ça, c'est que Kabila, c'est-tu le mot fait ? Il oublie. Lui, d'ici là, il va partir. Mais il nous laisse des tâches très difficiles à résoudre peut-être demain. Nous ne pouvons pas accepter tout ce qui se passe là. Madame, je peux vous rassurer que M. Ambongo est modéré. Il n'est pas allé au-delà. Il n'a fait que son travail. Et c'est lui reconnu dans les textes canoniques de l'Église catholique. Est-ce qu'on doit toujours recourir à l'Église catholique pour éclairer la population des problèmes qui dérangent le pays? Madame, moi je suis chrétien de réveil. Vous voulez qu'on appelle qui? Ces aventuriers que vous voyez ici qui sont allés nous imposer Kadima, qui celui-ci qui est un jeune, lui pense qu'il faut mettre un peu de cheveux blancs pour être vieux, qui connaît ce qu'on appelle ça. Je ne sais pas encore, j'ai ignoré son nom là. Vous voyez, madame, notre pasteur Dodo Kamba, vous voulez qu'on appelle Dodo Kamba? Des gens qui sont dans la poste de M. Tshilombo? Non! On doit appeler des hommes libres. Ceux qui ne sont pas des prisonniers de conscience. On doit appeler des gens qui savent comment éclairer l'opinion. C'est comme ça, même si vous lisez Platon, vous allez vous rendre compte que là où il place l'Église catholique à l'époque, avec le tribunal d'inquisition, c'était au milieu où il y avait l'ignorance et l'opinion. C'était ça comme ça, c'était l'Église qui est au milieu. Donc c'est pour vous dire quoi? Il ne faut plus faire confiance aux musulmans, au réveil que nous sommes. Tous nous avons trahi. Ceux qui sont restés jusqu'à preuve du contraire au milieu du village, c'est l'Église catholique et le protestant. Donc faisons confiance à ces gens-là. Je crois que le pays ici, d'ici là, nous allons le récupérer. Mais on a eu à la tête de la CENI aussi un abbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, un abbé, oui. Il y a eu des dérapages, mais vous avez compris vous-même à l'époque, l'Église catholique a demandé qu'on change cet abbé-là. Mais ceux qui étaient là à leur cause n'ont pas accepté. Donc, quelqu'un peut, certes, faire des dérapages, mais ça ne veut pas dire que c'est l'Église catholique à son entièreté, non. Lorsque vous suivez même la conférence épiscopale, vous sentez qu'au choc d'idées, ils arrivent quand même à jaillir la lumière et ils ont toujours parlé le même langage. Donc, l'histoire de l'abbé Malumalu, hein, des tristes mémoires, on ne peut peut-être pas en prendre comme exemple, mais ici on parle de l'Église catholique qui continue à faire son travail et à exercer sa mission prophétique, qui est celle surtout d'éclairer et de parler lorsque la population en pâtit. Alors, la mission prophétique, voulais-je dire, de l'Église catholique, bien sûr, et oui, mais dans un pays comme le nôtre, qui peut représenter l'Église catholique aujourd'hui? Mon frère, dans cette église, dans notre pays, l'Église catholique, d'ailleurs vous le savez, c'est l'une des rares églises que vous pouvez peut-être trouver partout. Aujourd'hui, ce que représente l'Église catholique, c'est plus que ce que représentent même certains partis politiques. Ou certains systèmes politiques, je peux même dire. Aujourd'hui, si vous allez, tel que chez moi, à Païkongila, tu trouveras, cher ami, je vous dis... On se retrouve. Vous vous retrouvez, hein? Ah, ok, ça c'est bien. Je suis de Païkongila, je ne peux pas me cacher. Alors, si vous allez chez moi, tel qu'il a chez moi, à Païkongila, vous trouverez que l'État congolais n'est pas représenté. Il y a non seulement la faiblesse de l'État, mais il y a l'absence totale de l'État. Mais c'est l'Église qui joue le rôle. Aujourd'hui là, vous pouvez aller chez moi, poser la question, qui est le président de la République? On vous dira que c'est Kabila. À Païkongila. Oui. Mais si vous demandez qui est le cardinal, on vous parlera d'Ambongo. Si vous vous rendez compte, cher ami. Donc, Apaï, là-bas, on ne connaît pas même Tshisekedi. Mais papa, cher ami. Tshisekedi, on doit le reconnaître à Apaï Kongila. Tu peux me dire
pendant ces cinq dernières années, du premier mandat volé, est-ce qu'il s'est rendu même au Grand Bandundu? Jamais du tout. Pendant la campagne électorale, peut-être. Non, il était où pendant la campagne? Il était à Bandundu. Non. Il n'a pas fait même. Il ne sait même pas. Papa, il a vu. Il lui posait la question au pilote. Ah, tu commis Wapio. On dit Bandundu, Bandundu. Ah, au contraire, c'est pas un Bandundu. C'est comme ça. Lui a vu ça de loin. Ah. Pendant qu'ils étaient au CR. Donc, lui-même, là, il n'a fait même pas une descente. Bah, il connaît même pas. Même pas. Si qui quitte, ça pose pas. Et puis, pas Ikonou là. Non, il ne connaît même pas Ikonou là. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Une telle personne, comment même le commun des mortels peut le connaître? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a boire et à manger, c'est comme ces pompes-là. C'est là où je vous dis que l'église catholique représente beaucoup, cher ami. L'église catholique que vous voyez là pèse, même s'il n'est pas international. D'ailleurs, vous savez, pendant les élections, c'est l'église qui nous aide. Même avec ses écoles. Même avec les témoins, les observateurs. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas fouler au pied le travail que fait l'église catholique. C'est là où nous parlons de l'ingratitude. C'est là où on parle même de déni. Et c'est là où on parle de la faiblesse d'un État. Tout ça engendre ce que nous appelons la force de l'arbitraire. Ça, c'est la Convention de Vienne qui appelle ça comme ça. Lorsqu'on arrive à faire de la force de l'arbitraire, mon frère, je vous dis, il y a des sanctions néfastes, négatives, qui surviennent surtout à ceux qui viennent commettre de l'acte. Donc c'est là où je vous dis... C'est déjà ce que nous pouvons qualifier comme le départ prémédité par ceux qui n'ont pas crié aux élections et le départ précipité de M. Tshilombo. Ça déjà c'est un mauvais signe. Là maintenant ils commencent à nous mentir. Vous voyez avec la machine de l'IDPS, ils ont caricaturé des images pour nous dire que M. Tshilombo aujourd'hui, je ne sais pas si c'est hier, il a pris dans une église catholique. Lukuta. Oh. C'est faux. Mais sa porte-parole a confirmé ça. C'était dans quelle église, mon frère? C'est faux. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, même sa femme, lui-même ne sait pas si M. Tshilombo est ici ou il est. Oh. Je vous dis. Mais là, comment une telle monsieur, on ne sait même pas là où il est. Ah. Où il nous dit que non, il a pris ici. Oh, attendez. Mais je vous dis, même Maman Denise. Même Maman Denise, elle peut être présentée. Mais quand Mabima est en d'accord, moi, c'est dans mon agit. Papa, Kobima a Yebaki. Dans ce cas, son téléphone ne passe pas. Il faut même pas condamner les journalistes belges, l'avant spéciale de la RTBF qui avait confirmé qu'il avait vu le président au Rwanda. Mais bien sûr, pourquoi le condamner? Et nous posons la question, on se demande qui a poussé la RTBF à modifier selon eux leur communication. On ne sait pas. C'est là où il faut se poser la question. Donnons raison à ces messieurs-là. Apparemment, ils peuvent avoir raison. Ceux qui ont affirmé sa présence au Rwanda peuvent avoir raison. Parce que c'est anormal. Comment tu laisses même ta femme en suspense? Mon frère, c'est inexplicable. C'est absurde. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est en suspense? Peut-être qu'ils ont juste voulu garder. Est-ce que d'abord nous sommes censés connaître partout où il va? Maman, je suis ton père biologique. Je prends ça par absurde. Nous vivons dans une même maison. C'est moi qui suis censé vous nourrir, répondre présent à toutes vos préoccupations. Un de ces quatre matins, j'ai disparu. Vous, en tant qu'enfant, n'allez pas vous inquiéter. Papa Kewapi. Vous l'appelez premier citoyen de la RDC. Commandant suprême. Magistrat suprême. Vous l'appelez tout suprême. Premier citoyen. Mais lorsqu'il est parti, sans que le boussole, ou la boussole nous indique que il est passé par ici. Les Congolais ne font pas s'inquiéter de cette information, madame. On doit le faire. Et s'il s'agit d'un voyage politique? Mais si c'est un voyage politique, mais c'est Tshilombo, tous ces voyages, c'est toujours des voyages politiques et diplomatiques. Et c'est tu peux nous citer, madame, un voyage que M. Tshilombo a effectué
Où il est allé, je ne sais faire quoi. Mais il peut nous revenir avec une surprise. Quelle surprise, madame? On ne sait jamais. Madame, quelle surprise? Il en a fait autant. Aucune surprise. Vous voulez avoir une surprise aujourd'hui? Et on nous dit qu'il est allé, semble-t-il, il aurait parti avec plus de 200 personnes. On ne comprend pas. Le système de Ngunda continue à avoir ses effets. Ça quittait le camp des musiciens. Maintenant, c'est aux politiciens ou comment? Non, président Mbaye Ngunda. Attends. Système Ngunda, ils ont continué quand tout se comprend. Alors, à chaque fois qu'il voyage avec des gens, il rentre souvent seul. Mais il y a un journal apparu aujourd'hui qui confirme qu'on a rencontré le président lors d'une messe de la mort de Monseigneur Gérard. Ah, voilà. Rencontrer le président. C'était dans quelle église? Ici à Kinshasa? Je crois en France. Hein? Donc, on l'a vu en France. Donc, il est allé célébrer la messe en France. Et je prends les images de la France. On nous ramène ici, madame, pour nous dire que. Quelle ambiguïté! Et quelle communication! On ne sait pas, madame, nous en sommes où? Avec ces gens. En tout cas, tout le monde est maintenant un bateau, tout l'équipe, tout l'imbi. Donc, c'est là où nous vous disons qu'il y a péril en des mers, madame. Le pays est en danger. Nous sommes dans une situation presque chaotique. L'Est est en train de partir pendant que nous rêvons. Et pendant cette période-là, vous constatez la disparition tragique de celui qui s'appelle président de la République. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est, nous sommes. Et il y a un haut gradé de la armée qui a confirmé ça, qui n'est pas ici. Alingaki kozalana bino. Et c'est là où nous avons dit, madame, il y a un problème. Nous avons vécu ce qu'on a appelé causerie morale à l'époque de la Deuxième République avec Mobutu. Lorsque le général Maëlle parle, madame, même ce qu'on appelle moustique ou autre, silence radio. Et quand Christian parle, c'est comment? Christian? Non mais laissez le sapeur être un peu tranquille. Christian, d'abord, vous voyez comment est-ce qu'il vient. Christian vient avec la canne. Ça, c'est l'idéologie qu'on a vue avec ça, c'est réservé à nos amis ici qu'on appelle les Mouzeki Ndingu. Mais lui, se transforme en Mouzeki Ndingu. Et lorsqu'il vient, il parle. Vous ne ressentez même pas les jargons. C'est là où il y a un problème. Et cette causerie morale de l'armée a commencé vous avec vous faites la causerie morale avec des prophètes. Mon frère, mais nous sommes où? On a invité même un prophète pour venir prophétiser pour l'armée. Mais rends-toi compte maintenant. On appelle un prophète. L'armée a besoin des prophètes, des prophéties. Non, mais quelle pour prophétie? Bien travailler ses quelle positionner. Prophétie? Vous savez, on n'aura pas de prophètes comme des michés. Nous avons des prophètes qui viennent vous satisfaire, vous amadouer. Ils ne viendront pas vous dire la vérité. Toi, tu as vu ce que le Védalo a fait ici. Védalo nous pompait une prophétie en fermant les yeux. C'est comme s'il était en face de Dieu. Qui as-tu vu sur une chaise roulante? Mon frère, ça c'est une aventure ambiguë, il ne faut même pas me parler des prophéties. L'autre ici, Joël Tatou, je ne sais pas si c'est Tatou, si c'est qui. Oui, parce qu'il y a un peu de tatouage, tu vois, il peut t'appeler tatou, c'est vrai. Mais la prophétie qu'il est venu pomper, tu as vu comment il a justifié ça? Donc, ce n'est pas ça le problème, mon frère. On n'a pas de vrais prophètes. Ce sont des gens qui veulent farcir leur ventre. C'est comme ça que vous les voyez un peu venir vous amadouer avec des prophéties qui tentent à vous donner un peu d'assurance dans votre guerre, dans votre combat. Donc, ce n'est pas ça le problème. Nous avons besoin d'une armée forte et dissuasive. C'est ça notre problème. C'est là où le commandant du peuple, Martin Formadé, dit, apprenez l'histoire des réformes. Vous venez avec la prophétie, où vous avez des traîtres à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Nous ne pouvons pas continuer à avoir un peu de prophétie et autres résolutions cosmétiques. C'est là où il faut vraiment qu'on change immédiatement des dirigeants au sommet de l'État
par des voies démocratiques pour que nous arrivions vraiment à avoir un Congo fort, libre et prospère. Alors, Congo fort, libre et prospère, comme vous le soulignez bien sûr. Pour les 15 minutes qui nous restent, on va essayer de les concentrer sur ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre et des salives concernant les détournements. Aujourd'hui, à l'époque aussi, les professeurs Lizolo Bambi, ancien garde des Sceaux, il parlait de cette affaire des 15 millions de dollars qui échappaient à chaque fois à l'État congolais. On pensait que ça allait changer avec le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, on constate que nous restons dans les statu quo. On nous a d'abord parlé de cette affaire des 6 millions de détournements après les 11e Jeux de la francophonie organisés ici à Kinshasa au mois d'août. Ensuite, ces projets concernant l'installation des plus de 1000 stations d'eau à travers la République démocratique du Congo, à travers les programmes des 145 territoires, voulais-je dire. Aujourd'hui, on nous parle encore des détournements au sein de la société Transco depuis 1 million de dollars. Vous avez lu quand même aussi communiqué du ministre des Transports au moment où les Congolais certainement attendent beaucoup de ses pouvoirs, de ses régimes pour le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Déjà au début, voir à ces dossiers et sortir comme ça, est-ce que ça peut signifier déjà un mauvais départ pour le deuxième mandat du président Tshisekedi? Est-ce que nous avons un deuxième mandat de Tshisekedi ici? Ça, c'est un deuxième mandat, madame. Mon frère. Il a été élu président, réélu. Non, il n'était pas élu président. Réélu. Il n'est pas été élu. Parce que pour être réélu, il faut d'abord être élu. Lui qui n'a pas été élu en 2018, comment il peut être réélu en 2023? C'est faux. Tu sais comment M. Tshilombo est venu au pouvoir. Et c'est là où est venu notre malheur. Et il est encore venu. Nous, on pensait qu'il allait faire peut-être des mea culpa. Il allait peut-être appeler le peuple congolais et demander pardon, ne pas se représenter aux échéances de 2023. Non. Et il a accepté de procéder encore par le énième hold-up électoral où il s'est fait donner 73% aux élections de 2023. Ça, c'est encore se moquer des peuples congolais. Mon frère, on peut être voté sur base d'un bilan et d'un programme. Les Congolais ont voté M. Tshilombo, si on peut réfléchir comme ça, en 2023, sans bilan, sans programme du gouvernement. Vous pouvez vous rendre compte? Donc vous prenez les Congolais comme des rabougris, comme des hébétés? Non! Comment on peut accepter ça? C'est faux. Bon, alors, arrivons maintenant au détournement, au vif du sujet. Mon frère, c'est gravissime. Lui, qui après avoir procédé encore à ce que nous avons encore appelé le énième hold-up électoral en marchant sur l'article 5 de la Constitution, parce que c'est lui qui a confisqué, extorqué la souveraineté du peuple en se faisant nommer. Il a dit quoi? Le jour où il se faisait investir, il a dit qu'il faut, il fera en sorte que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Mon frère, tu sais, ces cinq dernières années du premier mandat, on a commencé avec le détournement au 100 premiers jours, jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Djamal, Monsieur Mouima, le Benjamin Wenga, Vital Kamerhe, l'homme en question, sont des hommes libres. Parmi, il y a de ceux-là qui sont au gouvernement et ceux-là qui comptent revenir. Mais les Congolais n'ont pas encore leur maison préfabriquée. C'est là où ça a commencé. Aujourd'hui, là, vous nous parlez des forages. Mais n'oubliez pas, celle qui était parmi ceux qui ont piloté ces projets, Madame Judith Toulouka, est promis, première ministre, pendant qu'elle était ministre
du plan, parce que c'est elle qui a piloté le projet 145 territoires. Vous parlez de 1000 forages, plus de 1000, non, mais précisons les chiffres, frère, cher ami. C'était 8000 forages à travers la République. 8000 forages. Rendez-vous compte, si aujourd'hui on avait les 8000 forages à travers la République, peut-être ça allait compenser le problème d'eau. Mais on défale que 80 millions de francs, de dollars pour n'avoir que 4 forages. Jusque-là, nous n'avons que 4 forages. Mais où est parti l'argent? S'il fallait réfléchir par absurde, dans l'air logique, parce qu'on dit un forage vaut 270 000 dollars. Voilà comment les gens saignent en blanc les trésors publics. Et ils ne sont pas inquiétés. 270 000 dollars pour un forage. Maintenant, avec les 80 millions qu'on a défalqués, donc on pouvait, par absurde, dire que jusqu'à peu du côté, on allait encore avoir 300 forages. Mais si les 80 millions défalqués, nous n'avons que 4 forages déjà. Où est parti l'argent? Et cet argent a été défalqué avant les élections. Parce que dans leur calcul, c'était prévu que ce projet-là fasse un argument de leur campagne. Mais je vous dis, jusqu'au l'aube des élections, on n'avait que 4 forages. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'en parle plus. Où est parti l'argent? Ce sont les mêmes personnes qu'on est en train de promouvoir. Ici, vous parlez de l'affaire Transco. Mon frère, je suis allé dans cette société, ici à 17e rue. Mais je vous dis, c'est grave, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie, je vous dis, les employés meurent même de faim. On leur a interdit d'aller se faire soigner au-delà de 50 dollars. Si tu as l'histoire, heureusement, qu'aujourd'hui il y a une histoire un peu de famille, mais sinon je vous dis, les gens là ne vivent plus, ces gens-là vivotent. Mais les gens qui acceptent de subir de telles précarités, vous venez encore les sucer plus d'un million de dollars. Maintenant c'est la guerre, vous avez un monsieur qu'on appelle Toto, qui est à la CENI, qui a pris des machines de la CNI, qui est allé reconfigurer ces machines-là pour pouvoir venir créer une entreprise afin de digitaliser Transco. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons, nous ne voyons pas? Donc je vous dis, aujourd'hui, mon frère, on peut maintenant affirmer que nous sommes en face des détourneurs, de ceux qui sont venus sucer la caisse de l'État au profit de leur famille et au détriment de la population congolaise. Donc on ne peut plus espérer, cher ami. On ne peut rien espérer avec ce régime. Je vous ai parlé ici, jusqu'à aujourd'hui, un paiement. Et les fonctionnaires opèrent d'accumuler des dettes, des arriérés, comme à l'époque de la Deuxième République. On ne sait pas maintenant aujourd'hui les bilans, comment le budget est inventé. Et je ne sais pas si c'est 20 millions de dollars, des milliards de dollars. Qu'est-ce que nous en faisons avec? Qu'est-ce qu'on a déjà mobilisé au premier trimestre? Qui touche déjà sa fin? Et qu'est-ce qu'on compte mobiliser? C'est avec quel mécanisme? Si vous allez au ministère des Finances, là encore il y a un problème à boire et à manger. Dans cette affaire, on cite Kazadi, on cite celui du développement rural, on cite celle du plan, on cite même celui-ci qui veut devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, celui qui a boudé M. Tshilombo dans son propre cabinet, je ne sais pas qui sonne encore le monsieur là. Donc vous voyez comment nous sommes dans une fourberie qui ne dit pas son nom, une bouillabaisse, et c'est là où nous vous disons que l'État n'est pas là. Donc ces gens sont venus farcir leur poche pour que les Congolais continuent à être paupérisés. Et cette paupérisation amènera le pays dans un chaos que personne ne saura contrôler demain.
C'est là où nous vous disons, cher ami, la seule solution, c'est de chercher les hommes qui aimeront ces pays. Sinon, nous continuerons à pleurnicher et personne ne viendra à notre rescousse parce que le pays va très mal au sommet de l'État. Alors, l'émission est terminée. Vous concluez l'émission, justement, M. Alain, avec cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on considérer les pouvoirs ou bien les régimes Tshisekedi comme un danger public pour les peuples congolais? Vous concluez directement l'émission. Monsieur Tshilombo, c'est un danger permanent de la RDC. Je vous dis, si nous laissons Monsieur Tshilombo à la tête du pays, en tout cas, ce pays risque de sombrer davantage. Nous sommes déjà un canard boité et nous risquons d'être un vrai déjingandé. Et c'est très grave lorsqu'on arrive déjà dans un état déjingandé. Je vous dis, c'est très grave. Et vous allez vous souvenir, l'Allemagne est devenue juste un état déjingandé après juste la Deuxième Guerre mondiale. Heureusement qu'on est venu avec le plan Marshall pour le sauver. Donc, je vais vous dire ceci. Monsieur Tshilombo que vous voyez là, avec tout ce qu'il a présenté, tout ce qu'il a planté comme décor de détournement, tout ce qu'il a planté comme décor de l'impunité, je vous dis, si nous les laissons, ça sera encore l'hécatombe pour cette nation. C'est là où nous vous demandons, chers amis, aidez-nous. Il y a eu des journalistes qui ont aidé la France, l'Allemagne, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, avant, et de la RDC à ne pas être un état déjingandé. Sinon, ça sera encore très mal. Et le peuple congolais, je vous dis, je ne cesse de vous rappeler un récit de Thomas Sankara. Thomas Sankara considérait les Burkinabés à l'époque comme des esclaves. Et il leur avait dit qu'un esclave qui n'aime pas quitter son état d'esclavagiste, les jours de sa mort, personne ne s'apitoiera de son sort. Nous sommes aujourd'hui considérés comme des esclaves, même par des dirigeants internationaux, moins encore des dirigeants nationaux. Personne ne s'apitoie de notre sort. Et nous sommes les seuls. Alors les seuls à pouvoir quitter cet état. C'est là où Mosé disait, moi encore papa Etienne, prenez-vous en charge. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous impose l'imposable. Mais êtes-vous des hommes ou êtes-vous des animaux? Peuple congolais, réveillez-vous et sauvez la RDC. Merci. Merci, monsieur Alain Zika Atedi. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de Martin Fayoulou à Madidi, l'un des cadres de ce parti. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, mais je suis resté un peu inquiet. Madame n'a pas beaucoup parlé. Je voulais beaucoup plus qu'elle me fasse parler, mais elle n'a pas beaucoup parlé. Mais j'ai aimé quand même. Merci. Merci Daniel Roland-Lay. Merci monsieur Alain Sikatindi. Les remerciements s'adressent également à tous ceux qui nous ont suivis et particulièrement à cette grande équipe technique de CMTS Télévision, James Mouka, Issa Kazaka, Grace Radjabou, mais également à celles qui nous ont assistés avec attention, Fallon Kisangou, Rachel Itoutou, Benny Kapimba et Tania Mouvoidi. On se retrouve donc demain pour un autre numéro avec un nouvel invité. À demain, 16h, pour les troisièmes numéros de la semaine de cette émission qui vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.